grand matin du mois de juin, Julien préparait le troupeau dans la cuisine. Marie-Martine venait d'allumer les fourneaux. La vieille Louise était assise. Elle réchauffait ses pauvres mains lorsque dans Sainte-Mère l'église sont entrés les Américains. Ils sont tombés du ciel comme s'ils avaient des ailes. Ils apportaient un air de liberté. Ils venaient de Virginie, d'Oklahoma, du Tennessee. Le jour le plus long les attendait ici. Les Écossais se distinguaient, marchant au son des cornemuses dans les marais, les sas anglais progressaient souvent par la ruse et les balises dans la nuit grise regroupaient tous les Canadiens, tandis qu'à Sainte-Mère l'église avancer les Américains. Ils sont tombés du ciel comme s'ils avaient des ailes. Ils apportaient un air de liberté. Ils venaient de Géorgie, de l'Iowa, du Kentucky. Le jour le plus long les attendait d'ici. Soldats, les armées alliées, tous unis pour nous délivrer. La Normandie se levait le jour J. La vieille Louise était assise. Elle réchauffait ses pauvres mains lorsque dans Sainte-Mère l'église sont entrés les Américains. Ils sont tombés du ciel comme s'ils avaient des ailes. Ils apportaient un air de liberté. Soldats, les armées alliées, tous unis pour nous délivrer. Sur la Normandie, faut jamais oublier qu'un jour à Sainte-Mère l'église sont entrés les Américains.